US avec le Center Diff puis le kit de Swaybank pour le Revo 3.3 5309. Encore là, je conduis une main, fait que soyez indulgents. Ça tient vraiment plus avec le kit de Swaybar. Puis le Center Diff, ben le devant, il arrête de lever quand que je sors de la queue. Ça fait une machine pas mal plus efficace sur une track. Changer de bord. On voit que ça glisse bien. C'est vraiment, vraiment stable. Fait que c'est ça, j'ai fait un Race Edition, genre Platinum, si on aime mieux, là, la version qu'il avait faite en 2008, avec un kit de Swaybar. J'ai vidé le Revo au complet, il n'y a plus d'Easy Start, donc on est rendu avec un Pull Start. Économie de poids là avec, toutes les rods sont changées, au lieu d'être en acier, sont en aluminium. Fini les drive shafts de plastique, j'ai mis les drive shafts d'acier, des roues de Troggy, puis c'est ça. La machine est vidée à grandeur. Super, super performant, j'ai rien à dire. Sur cette vidéo-là, naturellement, je n'ai pas le gaz au fond. J'étais avec une main, fait que j'essaie de ne pas trop pousser la machine, faire d'erreurs, puis casser des morceaux. L'exhaust, c'est un THS dessus qui réveille énormément le 3.3. Puis c'est ça, le Center Diff à l'intérieur de la transmission. Un cerveau au lieu de deux. Machine épurée qui donne ça. Fait que super. À plus.